Qu'on peut nous lire la Bible, Genèse 29, nous commençons à partir du premier verset, Genèse 29, David dit dans les psaumes, porte élevez vos linteaux, porte éternelle, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Quand on dit porte éternelle, est-ce que les portes de la maison sont des portes éternelles? Non. Porte éternelle, ce sont les portes de nos cœurs. Il s'agit de nous, les fidèles, les enfants de Dieu. Quand Dieu doit faire son entrée, il faut que tu élèves le linteau. C'est pourquoi, quand on lit la Bible, on programme le premier verset du jour, on doit se tenir debout. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Porte élevée volento. Il ne faut pas se faire opposant. Hein? Dieu n'a pas d'opposant. J'attends à ce que tout le monde se lève. Et surtout que je n'ai vu personne qu'on a amené dans l'ambulance ou sur les brancards. Tout le monde est venu marchant, oui ou non? Oui. Tu deviens malade seulement ici? Non. Ok. Genèse au chapitre 29, nous lirons à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis. Vous pouvez vous asseoir, on va continuer avec la lecture. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tout le troupeau se rassemblait là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La lecture sera un peu longue. Je préfère directement commencer à interpréter pour gagner du temps. Amen. Amen. Depuis, je crois que ça va être le troisième jour aujourd'hui que je suis en train de parler de la vie de Jacob. Amen. Amen. Je crois que si Dieu nous fait grâce, ce soir je peux arrêter avec Jacob. Demain, on va parler de quelque chose. Et le lundi, mardi, je vais, comme j'avais demandé au pasteur, je vais parler sur comment, donc lundi, mardi, il y aura un autre sous-point, un autre sous-thème. Là, je vais parler sur comment vaincre l'esprit de mort. Comment vaincre l'esprit de mort, même dans la famille, même dans ta vie. Comment tu peux vaincre l'esprit de mort. Et ça sera aussi important, ça va vous aider. L'Église a besoin de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Amen. Tu peux reprendre le verset, le chapitre 29, du premier verset. Genèse chapitre 29, nous lirons à partir du premier verset. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. On dit Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il venait d'où? Il s'est mis en marche. Il venait d'où? Qui connaît? Pardon? Ok. Il venait de sa famille, oui ou non? Et il fuyait qui? Il fuyait son frère Esaü. Pourquoi? Pardon? Parce qu'il avait usurpé sa bénédiction. Parce qu'il avait volé sa bénédiction. Il avait détourné la bénédiction de son frère. Et sa maman lui dira, le fait que tu as volé la bénédiction de ton frère, si tu restes sur place, il va te tuer. Alors, il serait mieux que tu ailles te réfugier chez ton oncle. Que personne ne te trompe. Que puisqu'on a Dieu, et qu'on marche avec Dieu, ou soit on a des promesses, et qu'on ne peut pas te tuer. Jacob a fui. Amen. Amen. Et pourtant, il avait qui? Marcher avec Dieu, oui ou non? Et un jour, je disais quelque part, la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. Et pourtant, le serpent, c'est un animal impur. Mais dis-moi, la Bible se réfère seulement à une bonne qualité. Malgré que c'est un animal impur, mais il est prudent. Dit, volez seulement cette qualité-là. Enfant de Dieu, soyez prudents comme le serpent. C'est pourquoi, même quand je vais parler lundi, mardi, sur l'esprit de mort, tu comprendras que la mort, il faut l'éviter, il faut fuir. Pourquoi? Jésus était Dieu. Mais la Bible dit ceci. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, l'erreur qu'ils avaient commise, ils sont passés par Hérode. Et après, la nuit, Dieu va parler à Joseph et Marie pour leur dire, prenez le petit enfant, faites quoi? Vous savez quel est le verbe que Dieu avait utilisé? Verbe fuir. Dans ce verbe-là, quand on dit fuir, fuyer, c'est qu'il y a une faiblesse. Celui qui fuit se sent faible. Oui ou non? Oui. Même quand Jacob a fui ici, c'est qu'il était faible devant son frère Esaü. Dieu dit à Joseph, prenez ce petit enfant, faites quoi? Fuyez, allez en Égypte. Le petit enfant là était qui? Le petit enfant c'était Jésus. Pour ton information, Jésus c'est lui le Dieu créateur. On prend Dieu et on fuit avec Dieu. La nuit, pourquoi? Pour qu'Hérode ne tue pas Dieu. Mais si on a fui avec Dieu, on cache Dieu. Toi on ne peut pas te cacher. Oh non, ils ne vont rien me faire. Parce que Dieu est avec moi. Mais Dieu lui-même fuit. Que personne ne te trompe. Puisque tu pries Dieu, puisque tu crains Dieu, puisque vous gênez beaucoup, que tu vas exposer ta vie puisque Dieu va te protéger. Non. Il y a des choses que tu dois éviter. Amen. Il y a des choses que tu dois éviter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aussi donné de l'intelligence. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Jacob s'est mis en marche, fuyant son frère. Continuez la lecture. Verset 2. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Vous savez, je disais à quelqu'un quelque part, parce qu'il me parlait de prophétie d'Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre prophétique. Apocalypse renferme des choses. Il faut vraiment donner les choses auxquelles il faut donner de l'interprétation. Tu vois, l'Apocalypse nous parle de sept sceaux.
l'Apocalypse nous parle des trompettes. Amen. Je lui ai dit, s'il y a un livre prophétique dans la Bible où tout est facile à comprendre, c'est l'Apocalypse. Si quelqu'un ne comprend pas l'Apocalypse, c'est que lui-même ne veut pas comprendre. Mais le premier livre le plus prophétique de la Bible, c'est Genèse. Amen. Amen. Parce qu'Apocalypse, tout ce qui est écrit, toutes les visions sont interprétées. Si vous ne savez pas. Mais c'est Genèse qu'on n'a pas interprété. Genèse, tout est prophétique. Amen. C'est pourquoi ne lisez pas Genèse comme n'importe quel livre. Je vais vous dire quelque chose. C'est en Genèse où l'Esprit de Dieu a beaucoup travaillé. Tout ce qui s'est passé en Genèse, c'était toujours par inspiration de Dieu. Par exemple, Abraham a donné la dîme en Genèse, sans prédicateur, sans enseignement. Il a donné comment? C'était une inspiration. Mais si Israël peut donner la dîme, mais Moïse avait parlé, mais Abraham qui lui avait enseigné qu'il faut donner la dîme? En Genèse, on a vu les enfants, Abel et son frère. Amen. Son frère qui? Caïn. Ils ont donné l'offrande. Genèse 4. Suite à quel enseignement? Et dans l'offrande là, il y a eu même des choses, des prophéties. Caïn a donné les fruits de la terre. Abel de son côté, il a donné les prémices de son troupeau. Et pourtant, la Bible n'avait jamais parlé de prémices. Mais lui, il a déjà compris qu'il faut donner la prémisse. C'était une prophétie, oui ou non? S'il y a un livre qui renferme les prophéties, c'est Genèse. Amen. C'est pourquoi si vous interprétez bien Genèse, vous serez capable d'interpréter toute la Bible. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Verset 2, on dit ceci. Il regarda. Qui regarda? Jacob. Et voici, il y avait un puits dans le champ. Un puits d'eau dans le champ. Et à côté de ce puits-là, il y avait quoi, papa? Lisez la Bible. Car c'était à ce puits qu'on a trouvé. Non. Il est regardé, voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait. Il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Qui se reposaient, qui attendaient quoi? Pardon? D'être abreuvé. Et le puits était comment? Le puits était renfermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande pierre, une grosse pierre qu'on avait mis à l'ouverture. Le puits là, c'est quelque chose. Spirituellement, ça veut dire quelque chose. Amen. Amen. Le puits, c'est l'image de l'Église. Le champ, c'est l'image du monde. Rappelez-vous, Eliezer, pour avoir Rebecca, il fallait qu'il se tienne à côté d'un puits. Je peux continuer? Amen. Je peux avancer? Amen. Jésus avec la femme samaritaine, leur rencontre, c'était toujours à côté d'un puits. Et ici, on nous parle encore du puits. Et vous savez, même Isaac, lorsqu'il a fallu qu'il puisse creuser de nouveau le puits, il a fallu qu'il puisse retrouver le fondement que son père avait laissé. C'est quelque chose. Ça veut dire quoi? L'Église. Pourquoi Isaac a cherché à retrouver le fondement que son père avait laissé? Et pourtant la Bible nous dit, nous avons pour fondement les apôtres et les prophètes. Même l'œuvre de Dieu que nous faisons, il faut bâtir sur les fondements anciens. Personne n'a le droit de poser notre fondement. Qui dit fondement dit doctrine. C'est clair? Amen. Il y avait un puits dans le champ. Et ce puits-là contenait l'eau. Mais le puits était renfermé. Ça veut dire quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que vous avez. Vous savez, Dieu n'a pas laissé la Bible ouverte, comme ça, la parole de Dieu ouverte, pour que n'importe qui comprenne. Non. La Bible, elle est scellée. Pour comprendre, il faut qu'on ouvre.
C'est comme maintenant là, je suis en train d'ouvrir les puits pour abreuver les troupeaux. Et par après, je vais renfermer. Les troupeaux venaient se reposer, attendaient qu'on ouvre le puits pour qu'ils puissent s'abreuver. Comme ce soir, il y a les troupeaux, ils sont venus. Ils ont besoin de l'eau. Mais il faut quelqu'un pour ouvrir le puits. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Vous savez, à la piscine de Bethsaïda, la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés là-bas. Il y avait aussi l'eau. Et cette eau-là était destinée à quoi? À la guérison des malades, oui ou non? L'eau était là. Les malades étaient là. Mais l'eau ne donnait rien. Pour que l'eau devienne utile, pour que la guérison, pour que l'eau puisse guérir quelqu'un, il faut que l'ange vienne et agite l'eau. Ça veut dire quoi? Qu'il roule la pierre. En d'autres termes. Dès qu'on roule la pierre, l'eau peut donner la vie. L'église a besoin de l'eau. Vous êtes le troupeau du Seigneur, vous avez besoin de l'eau. Mais n'oubliez pas qu'il y a un puits. Et les troupeaux viennent pour être abreuvés. Et c'est voilà la situation que Jacob a trouvée. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Dieu a commencé à parler de l'église depuis Genèse. Amen. Et les gens ne comprenaient pas. Le salut, c'est à travers l'église. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il ne comprend pas l'importance de l'église. Lui, son discours, c'est toujours décourager les gens qui n'aillent pas à l'église. Lui, son discours, c'est toujours critiquer l'église. Tout ce qu'on fait à l'église, lui ne voit que de mauvais côtés. Tel que tu es là, pour toi, c'est comme le pasteur venait de dire, on organise des choses comme ça pour chercher de l'argent. Amen. Et l'argent là, je vais même vous demander, je me demande aussi, depuis qu'on a commencé, tu es là. Je ne sais pas combien toi tu as donné. Et du moins, tu sais qu'on cherche de l'argent. Mais si tu savais qu'on organise pour chercher de l'argent, il fallait nous donner cet argent-là. Mais tu es là, combien toi tu as donné? Le salut des gens, toi tu ne vois pas ça. Ce que Dieu peut faire après ses services, vous ne voyez pas ça. Mais vous oubliez qu'il y a même des gens qui ont payé des avions pour venir ici. Il y a des gens qui ont fait de longues distances pour venir ici. Ça, toi, tu ne vois pas. Pour toi, ça range avec son ami chaque fois pour qu'il vienne. Et là, on fait, ils font des appels de fonds et il a son argent. Vous savez, un jour Dieu te fera grâce, tu comprendras. Organiser des services comme ça, par rapport aux dépenses et ce qu'on peut faire, ce n'est même pas comparé. Mais on le fait parce que c'est un fardeau. C'est une charge. Vous savez, l'église aussi ne peut pas rester comme dans un système. Non. Vous savez, à la piscine de Bethsaïda, pour que les gens retrouvent leur guérison, il fallait qu'on agite l'eau. C'est que les hommes de Dieu, on est censé, on est obligé de multiplier des occasions pour que ceux qui peuvent être sauvés arrivent à être sauvés. Vous savez, s'il vous plaît, pour ton information, je crois que la campagne qu'on a toujours organisée à Kinshasa au mois d'août, chaque mois d'août de l'année, nous l'avons surnommée la fête des Juifs. L'inspiration est venue comment? L'inspiration, nous l'avons tirée à partir de Jean 5. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Il y eut une fête des Juifs et Jésus... Ajoutez, non? Vous ne lisez pas la Bible. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ça veut dire quoi? C'est que avant la fête des Juifs, Jésus n'était pas à Jérusalem. Mais il est retourné à Jérusalem suite à quoi? Suite à ce grand rendez-vous-là, suite à la fête, cette date-là, Jésus comme Juif, il devait aussi faire quoi? Il devait fêter. Et pour fêter, comme la fête était à Jérusalem, lui aussi devait retourner à Jérusalem. Et quand il est rentré à Jérusalem, à l'occasion de la fête, s'il vous plaît, si Jésus était venu, il n'était pas venu pour autre
même chose. Il était venu seulement pour le rendez-vous sacré là. Il est venu pour la fête. Mais à l'occasion de la fête, il est passé par la piscine pour guérir celui qui avait fait 38 ans. Vous allez comprendre que chaque fois qu'il y a une manifestation, nous ramenons la présence de Dieu à l'église. Et quand Dieu rentre à l'église, il y a des saints qui arrachent leurs miracles. Ça, c'est une fête. Amen. Vous savez, quand Dieu voit les gens venir de gauche, droite, se mettre quelque part, Dieu aussi descend. Amen. Comme ce soir, Amen. Comme pendant cette semaine, Dieu est ici. Amen. Parce que c'est un Dieu de grand rendez-vous. S'il y a des gens qui vont profiter de cette conférence, je vous dis devant Dieu, je vous le jure, ils ne rentreront pas mais vite. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, il est Dieu dans sa parole. Amen. Cet homme-là, il a fait 38 ans à la piscine. Je me suis demandé ce que sa guérison devait seulement attendre cette date-là. Vous savez, il y a certains cas à l'église. Ça peut rester longtemps, mais seulement des manifestations comme ça. Dieu t'accorde le miracle. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger de telles dates. Il ne faut jamais négliger de tels rendez-vous. L'église est responsable. Un enfant déjà enseigné, il doit commencer même à travailler. Il doit commencer même à planifier même l'horaire de ses congés en fonction des rendez-vous sacrés de son église. Il doit savoir que chaque période, à telle date, il y a une manifestation. Et commencez déjà à planifier en fonction de ça. Mais vous allez voir, il y a un grand rendez-vous dans votre église. C'est pendant ce temps que toi tu prends l'avion pour aller à, si c'est en Europe ou bien où c'est, je ne sais pas, en Afrique. Pendant que les autres sont à l'église. Vous savez ce qui est arrivé à David. Comment est-ce qu'il est allé tomber avec Bathsheba? Pourquoi? Parce que les autres étaient au front. Lui, il est allé ailleurs. Pendant que tout le monde est ici, il y a les autres, ils ne savent pas. Toi, tu es au travail. Hier, tu ne sais pas où tu étais. Tu es venu seulement aujourd'hui. Et d'autres qui étaient là hier, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Vous ne savez pas que des fois, il faut même prendre congé seulement pour les séminaires. Tu t'organises et tu dis non, comme il y aura 8 jours, je demande aussi, je prends congé pendant les 8 jours, je dois rester à l'état de gêne. Je dois rester, je dois être là. S'il y a des gens qui viennent de loin qui payent des billets, mais toi qui es sur place, vous ratez des jours de séminaire pour le travail. Et pourtant le travail c'est chaque jour. Mais des rendez-vous comme ça ce n'est pas chaque jour. L'église doit être enseignée. Les jours où tu comprendras la valeur de ce qu'on est en train de faire, Dieu aussi va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Lisez-moi la Bible, papa. Il y avait là un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Mm-hmm. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture. Vous savez, on dit que la pierre à l'ouverture du puits était tellement grande que une seule personne ne pouvait pas la rouler. On roulait la pierre. Il fallait attendre un grand nombre pour rouler la pierre. Mais il y a quelqu'un qui est venu seul. Lui n'a pas attendu les autres pour rouler la pierre. Jacob va rouler la pierre seul. Amen. Hmm? Ça veut dire quoi? Vous savez, la parole de Dieu, il faut avoir une vocation. Il faut être appelé pour interpréter. C'est pourquoi l'église, j'ai toujours dit même aux serviteurs à l'église, ça ne veut pas dire que tout serviteur qui travaille à l'église finira seulement par être pasteur. Oh. C'est comme si vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce qu'à l'église tu as pris le micro et que tout le monde sera un jour pasteur. Non. Oh. C'est comme si quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que je peux encore reprendre? Amen. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui prêchera ici sera toujours appelé à diriger une église.
Amen. Tout prédicateur n'est pas seulement appelé à être pasteur. Amen. Vous pouvez bien prêcher, mais tu n'as pas l'appel de diriger l'église. Surtout chez nous les Congolais, c'est ça ce qui tue les gens. Oh mes frères, il est en train de m'étouffer. Il faut que je parte. Que tu partes où? Faire quoi? J'ai un appel. Vous savez, je disais un jour, le jour où Dieu dira seulement que c'est vrai qu'il y ait des églises, mais qu'il n'y ait pas des offrandes dans les églises, je ne pense pas qu'il y aura encore des gens qui vont demander à sortir, à aller faire des églises. Je crois que tout le monde cherchera à rester au sein d'une même église. Parce qu'en réalité, ce qu'on suit derrière là, ce n'est pas seulement que le souci de servir Dieu. Parce que si c'était le souci de servir Dieu, ici vous prêchez oui ou non, vous modérez aussi. Voulez-vous me dire que là où toi tu seras pasteur, tu vas commencer à prêcher chaque jour, modérer chaque jour. Il y aura aussi des périodes où vous laissez les autres prêcher. Comme des fois ici, il y a aussi des périodes où tu ne modères pas. Mais le vrai souci, ce n'est pas qu'il a le souci de servir Dieu. Non, qu'il puisse aussi avoir droit à la dîme. C'est pourquoi vous allez voir le pasteur des serviteurs à l'église. Il ne donne pas la dîme. Quand il ne donne pas la dîme, c'est quoi? Dans sa tête, il dit, là, lui doit commencer à bouffer notre dîme, doit commencer à lui donner. Mais ici, vous ne donnez pas la dîme. Mais quand toi, tu seras pasteur, tu vas maintenant vouloir à ce que les gens te donnent. Et pourtant, il est écrit, on va te mesurer seulement avec la mesure que tu te sais. Amen. 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 C'est pourquoi, si tu veux que les gens te donnent, commence à être le premier donneur. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours dit, dans mon église à Kinshasa, j'ai tout dit aux gens, c'est vrai, vous pouvez donner, mais de tout ce que vous donnez, personne ne peut donner plus que moi. Parce que moi aussi, je donne. Comme cette année, j'ai un devoir. Vous savez, la fois passée, l'année passée, j'avais encore fait promesse à l'évêque que je devais lui acheter un véhicule cette année. Vous savez ce qu'il m'a fait, papa? Pour éviter l'erreur de la fois passée, j'avais sauté le premier, je lui ai dit, je vais vous offrir une Range Rover. J'arrive, il me dit, non, pas de Range Rover, je suis fatigué de ça. Je vais te montrer une marque. Il m'appelle, j'arrive, il me demande une Land Cruiser, et grosse moulure là, nouveau modèle, et quand on demande, c'est $100,000. J'avais déjà donné la parole. Je lui ai dit, je vais te l'offrir. Et j'ai demandé aux fidèles. C'est la deuxième fois que je lui donne ça. La première fois, je lui avais offert un véhicule de 50 000. Maintenant, je lui donne 100 000. Est-ce que ça compare avec vos offrandes? Mais je fais cela. Vous devez aussi vous attendre un jour à me donner plus que ça. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à donner. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Et toi, tu es là, tu vois toujours, on va donner l'argent, on va enrichir le pasteur. Mais quand toi, tu vas ouvrir une boutique, tu vas chercher à ce que les gens viennent acheter. Quand ils viendront acheter chez toi, là, ils vont t'enrichir, oui ou non? Si tu veux être riche, commence par enrichir les autres. Amen. Comme ce soir, vous allez enrichir cette église. Amen. Ton ami est faible. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à enrichir cette église? Amen. Non. Il faut observer même mes gestes. Vous avez des oreilles pour écouter et des yeux aussi pour voir. Je reprends. Comme ce soir, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui peut dire, je vais enrichir cette église? Amen. Combien de personnes... Il n'y a eu que 3 ou 4 personnes. Tu as peur de soulever la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Plus vous donnez beaucoup, Dieu aussi va beaucoup ouvrir les portes. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Lisez la Bible, papa.
Verset 3. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Mm-hmm. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? S'il vous plaît, entre Jacob et les bergers, en réalité, qui est-ce qui avait besoin qu'on puisse connaître son origine? Parce que c'était lui qui venait, il est venu, il les a trouvés. Au lieu de se présenter, il va leur demander d'où êtes-vous? Ça veut dire quoi? Jacob comme berger, s'il vous plaît. Parce qu'il croyait être berger, mais c'était Jacob le vrai berger. Jacob comme prédicateur, puisqu'il a roulé la pierre. Il a cherché à ce que d'abord, chacun rentre à lui-même, qu'il comprenne ses origines. Quand vous venez à l'église, vous devez d'abord comprendre, vous venez d'où, vous êtes de quelle famille. Parce que la première condamnation dans la vie d'une personne, c'est d'abord son origine. Si aujourd'hui vous avez des problèmes, ce n'est même pas d'abord le Canada, ce n'est même pas d'abord l'église ou quoi que ce soit, d'abord ton origine. Tu es d'où? Le jour où tu comprendras d'où tu sors, tu comprendras même que tu as besoin de Dieu. Il y a des gens qui sont sortis de familles pourries. Mais ici, il fait semblant. Des fois, parce que quand on se retrouve dans la masse comme ça, chacun veut faire croire aux autres qu'il vient d'une famille noble. C'est comme ça que ici, là, au Canada, surtout chez vous ici, quand vous discutez avec quelqu'un, il va commencer à vous dire, toi, à l'église, tu veux te jouer de moi. Toi, ici, à Kinshasa, est-ce que tu pouvais t'approcher de moi? À Kinshasa, toi, tu étais qui? Est-ce que tu connais ma famille? Ta famille, c'est quelle famille? Qu'on se le dise aussi. J'ai dit, ta famille à Kinshasa, c'est quelle famille? Moi je viens de Kinshasa, parle-moi de ta famille, je vais voir, je vais vérifier. Tout ça c'est quoi? C'est de l'orgueil. Vous voulez seulement mentir les autres pour rien. Soyez humble dans la vie. Amen. Cherchez Dieu. Amen. L'orgueil ne sert à rien. Amen. Jacob leur a dit, d'où êtes-vous? Vous sortez d'où? Vous venez d'où? C'est vrai, on a besoin de Dieu. On a besoin de la délivrance, mais la délivrance, on la cherche par rapport à nos origines, par rapport à notre condamnation. Et vous comprendrez avec la suite que la question que Jacob avait posée était vraiment importante, était pertinente. D'où êtes-vous? Et pourtant, ces gens-là étaient de Padam Aram. C'est un village à problème. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Pourquoi ta vie n'est pas comme celle des autres? Vous savez, je venais de donner un enseignement là que j'ai interrompu à Kinshasa. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Ça veut dire quoi? C'est vrai, dans la vie d'une personne telle que nous marchons là, nous pouvons avoir des projets. Chacun, il a ses projets, il a ses ambitions. Mais n'oubliez pas, que tu peux avoir des projets, mais n'oublie pas aussi ce qu'on a écrit sur toi. Par exemple, Esaü, il était fils aîné, oui ou non? Il a parlé avec son père. Mon fils, va dans le champ, cherche-moi du gibier, amène-moi, fais-moi aimer, que je te bénisse. Il est allé chercher dans sa tête. Papa va me bénir. Est-ce que sur lui, on avait écrit que lui allait être béni? C'est ce qui a fait que pendant que lui se battait pour trouver du gibier, la bénédiction est allée chez son frère. Parce que depuis le ventre de sa maman, Dieu avait dit autre chose. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Il y a des gens qui sortent des familles où ils ne peuvent jamais dominer. Des familles des esclaves. Appelé seulement à servir les autres. Mais si tu ne comprends pas ça, tu viens à l'église seulement troubler les gens. Puisqu'on se retrouve comme ça, dans la foule, tu crois que tu peux tout dire. Il est là même en train de décourager les autres. Depuis qu'on est là, on prie, on donne la dîme, on n'est pas béni. Comme si toi tu viens d'une famille où les gens sont bénis.
Au lieu de comprendre d'abord ton origine, chercher la délivrance, tu es en train de décourager les autres à l'église. D'où es-tu sorti? Tu peux me répondre? Tu viens de quelle famille? Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Quand tu viens à l'église, au lieu de chercher Dieu, tu commences à dire, dans cette église, je ne vois personne qui peut me prendre en mariage. J'ai dit une sœur à l'église. Tu as quel âge? Oh, 32 ans. À l'église, vous avez, tu as fait combien de temps? Oh non, j'ai une année. Je lui ai dit, depuis le bas âge, à partir d'une année jusqu'à 30 ans, tu n'étais pas dans cette église? Mais oui. On t'avait épousé? Non. Une année seulement, l'église, tu commences à nous troubler. Comme si les 30 ans, là, tu les as perdus ici. Moi, je suis comme ça. Non, ce sont des on doit se dire, hein, se le dire. Hein? Parce que tu es venu dans cette église, tu as quel âge? Et tout ce temps-là, tu l'as perdu, tu étais où? Là, il n'y avait pas de problème. Tu viens seulement, tu as une année à l'église, 2 ans à l'église. Vraiment, on prêche, on gêne, mais on ne voit rien. Depuis qu'il avait dit qu'on va se... Je ne vois même pas quelqu'un qui peut me prendre à mariage ici. Mais dans le monde, tu avais trouvé quelqu'un. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, cherche la délivrance, ma sœur, au lieu de décourager les autres. Rentre dans le bureau, parle avec le pasteur, papa, regarde mon âme, prie Dieu pour moi. Dieu est capable de faire même qu'un païen sur la route se convertisse et qu'il vienne à l'église seulement pour toi. Amen. Au lieu de décourager les gens, toi qui as besoin de la prière, comprends ton combat et confie-toi à Dieu au lieu de déranger l'église. Ça c'est quelle façon de prêcher. C'est comme s'il est en train de taquiner les gens. Tu es blessé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lisez-moi la Bible, papa, je vais avancer. Ils répondirent, nous sommes de Charan. Mm-hmm. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Mm-hmm. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit,
je te servirai cet temps pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme en quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel. Vous savez, quand on dit « achève la semaine avec celle-ci », ça ne veut pas dire « 7 jours ». Non. Et on a dit « et Jacob acheva la semaine avec Léa ». Et pourtant, il dit, achève la semaine avec celle-ci, et je te donnerai aussi, je vais te donner Léa pour cette nouvelle année. Une semaine, c'est une période de 7 ans. Ça ne veut pas dire semaine comme 1 jour, 2 jours, 3 jours. Une semaine, c'était une période de 7 ans. C'est comme on parle dans la Bible de 7 semaines de Daniel. Vous connaissez les 7 semaines de Daniel. Ça ne veut pas dire 7 fois 7, 49 jours, non. 7 semaines de Daniel, c'est une période. Ça demande vraiment un long calcul que je ne peux pas faire maintenant. Et c'est sur base même de ça que beaucoup de gens se sont trompés. Beaucoup de prophètes sont tombés dans leurs erreurs puisqu'ils voulaient calculer ça comme avec l'intelligence humaine. Vous savez, les 7 semaines de Daniel, depuis que Daniel avait vu cette vision-là, jusqu'à aujourd'hui, les 7 semaines de Daniel ne sont pas, les 70 semaines de Daniel, allez-y, ne sont pas encore épuisées. Nous sommes encore dans les 70 semaines de Daniel, depuis qu'Israël était à Babylone, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, s'il vous plaît, l'église que nous sommes, l'église de Jésus, on ne peut pas aussi calculer les 70 semaines de Daniel en se référant à l'église, non. Puisque l'église n'est pas dans les 70 semaines de Daniel. L'église est née pendant que Dieu n'est pas en Israël. L'église sera enlevée avant que Dieu retourne en Israël. Donc l'église, les prophètes ne pouvaient pas voir. Les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas voir l'église. Pourquoi? Parce que en quelque sorte l'église, c'est comme une période de tricherie. C'est une période d'infidélité. Dieu qui devait être fidèle à sa femme Israël, à son épouse Israël, mais quelque part en cours de route, il a essayé de déconner. Vous savez, quand on triche à côté, on fait tout pour que sa femme ne soit pas au courant. C'est pourquoi Dieu, il a pris l'église pendant qu'il est absent en Israël. Et il va enlever l'église avant qu'il retourne en Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël apprenait que Dieu sait me conduire, Israël sera jaloux. J'ai donné un message. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, tu n'as pas compris, hein? Amen. Ça t'a compliqué, hein? Que Dieu bénisse quelqu'un. Raison pour laquelle Moïse, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte en cours de route, pendant, en pleine marche dans le désert, Moïse a abandonné sa femme. Il est allé sortir avec une femme éthiopienne. Et les autres, ceux qui n'avaient pas compris la prophétie, ils ont essayé de murmurer. Pourquoi?
Pourquoi ils ont murmuré? En quelque sorte, ils ont manifesté de la jalousie. Comment il peut laisser sa femme pour aller avec l'autre? C'est que du fait que Dieu se soit approché de nous, Israël doit être jaloux. Amen. Moïse, qui était l'image de Jésus, Jésus, quelque part, il devait abandonner Israël pour aller tricher avec l'Église. Nous sommes entrés dans un mariage qui n'était pas le nôtre. Amen. En quelque sorte, ce que Dieu fait avec nous, c'est une prostitution. Mais je ne peux pas appeler ça une prostitution puisqu'il a aussi doté. Je ferme ça. Ça, c'est prophétique. Alléluia. Amen. Bref, je voulais seulement parler de achève la semaine avec celui-ci. Je vais vite pour conclure mon message. Suivez-moi très bien. Jusque là, Jacob et Laban, ils se sont bien entendus. C'était même, d'ailleurs, l'idée vient de Laban. Parce que tu es mon frère, parce que tu es mon parent, vas-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Ce n'était pas Jacob qui avait sollicité un salaire. L'idée venait de qui? C'était jusque là, est-ce qu'on peut dire que Laban était mauvais? Non. Dis-moi quel sera ton salaire. Et Jacob dira, je vais te servir 7 ans pour ta fille cadette. Et pourtant Laban avait combien de filles? Il avait 2 filles. L'aîné s'appelait Léa. Et la cadette, Rachel. Alléluia. Alléluia. Et Jacob a choisi qui? Il a choisi Rachel. Il a choisi la cadette. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Pourquoi il n'avait pas choisi Léa? Pardon? À cause de la beauté. Mais je vais aussi vous dire quelque chose. Prophétiquement parlant, ce n'était pas seulement à cause de la beauté. Prophétiquement parlant, ce n'était pas seulement à cause de la beauté. Puisque lui-même Jacob, il venait aussi d'un même conflit dans sa famille. Il venait de se disputer une bénédiction avec son frère aîné. Son frère que Dieu avait haï, il l'avait choisi, lui qui était le second. Ça veut dire quoi? Par là, la Bible veut nous enseigner. Même si nous rentrons dans la première famille de la terre, Adam et Ève, ils ont eu combien d'enfants? 2. L'aîné c'était Caïn et le deuxième? Amen. Et quand ils ont fait l'offrande, Dieu avait pris l'offrande de qui? Ça veut dire quoi? Le diable, il a toujours essayé de sauter en premier pour étouffer la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce mariage était le mariage de Rachel. Mais le diable a tout fait pour introduire Léa. C'est comme ça que, comme Dieu voulait travailler avec Jacob, on a tout fait pour précipiter que Esaü sorte le premier. C'était pourquoi? Pour étouffer la vraie semence. C'est comme ça qu'il est aussi écrit, le premier Adam et le deuxième Adam. Qui est le meilleur? Le deuxième. Israël, Église, Manassé et Ephraïm. Quand Jacob devait mettre sa main droite, devant lui il y avait Manassé, il y avait Ephraïm. Il a placé la main droite sur qui? Sur le deuxième. Bref, c'est pourquoi, des fois quand j'enseigne sur les premiers nés, faites très attention. Les premiers nés, on les écrase toujours. Les premiers nés, ils ont toujours des combats. C'est pourquoi vos enfants premiers nés, de temps à autre, il faut toujours faire les offrandes pour eux, les offrandes de rachat. Lisez la Bible, vous allez voir. Les premiers nés dans la Bible, ils ont toujours des combats. Ce n'est pas mauvais d'être premier. Je peux encore avancer avec vous. Amen. Ruben était le premier-né de qui? Jacob dira, Ruben mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Mais tu n'auras pas la préminence. Il a retiré la préminence de Ruben pour donner cette préminence à qui? À Joseph. Pour ton information, le diable avait tout fait pour
pour voler la bénédiction de Rachel. Puisqu'il savait qu'en Rachel, il y avait Joseph. C'est comme ça qu'on a précipité que Léa vienne avant et que l'enfant de Léa soit le premier pour avoir le droit de naître. Comme ça, il va étouffer Joseph. Mais Jacob aussi, qui était un homme de la prophétie, avant de mourir, il a ravi le droit de naître pour retourner calculer de Ruben à Joseph. Il y a eu Lévi, il y a eu beaucoup d'enfants. Mais quand il arrive sur Joseph, il va dire, j'étais tapis berger. Mais pourquoi ne vous pouvez pas établir Lévi? Parce que le vrai premier né, ce n'était pas Ruben. Tout ça, c'est ça le gars. Et je vais vous dire une chose. C'est ça que Jacob avait compris. Si Jacob était le chrétien d'aujourd'hui, du moment où tu as travaillé pendant 7 ans, vous avez souffert avec l'hiver. Et arrivé la nuit, au lieu de lui donner Rachel, on lui amène Léa. Et il est arrivé que la même nuit, il avait même déjà touché Léa. Il se réveille le matin. Voilà que c'était Léa, ça n'était pas Rachel. Il pouvait se dire, bon, c'est toujours les femmes, hein? Ça va, je peux prendre seulement ça, je reste avec. S'il vous plaît, tout ce que le diable peut nous imposer, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi Esther a dit, c'est vrai, j'ai le mariage, mais je n'ai pas encore le mari à 100%, parce qu'il y a une loi, la loi doit tomber, je dois arriver au bout. Si tu es dans l'église et que tu es un, ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de lâche. Quelqu'un qui voit une difficulté, il lâche. Non. D'ailleurs, quand tu commences un projet et vous constatez qu'il y a résistance, c'est qu'il y a la bénédiction de Dieu là-dedans. Amen. Quand on ne vous combat pas, c'est que vous n'avez pas la chose de Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas à ces signes que tu peux reconnaître que ce que tu fais est de Dieu. L'église aujourd'hui me l'a facilité. Si une église n'est pas combattue, si votre ministère n'est pas combattu, papa, ce n'est rien de Dieu. Réabandonne. Si tout ce que tu fais, il y a la facilité. Si dans ta vie, il y a la facilité. Comme si il y a des gens, l'église se demande, papa, pourquoi tous les combats seulement moi? Toi, tu as les combats. Toi, tu as les combats plus que celui de Jacob. Et je vais vous dire une chose. Jacob, depuis le ventre de sa mère, une prophétie a parlé. Il sera plus grand. Oui ou non? Amen. Son grand frère lui sera sujeté. Oui ou non? Il sort de là pour que son papa le bénisse. Ce n'était pas facile. Papa a ignoré la prophétie de Dieu. Il va inviter Saül à la place de Jacob. Et pourtant, papa connaissait la prophétie que Dieu avait dit, c'était Jacob qui devait être béni, oui ou non. Malgré tout ça, son papa semblait ignorer. Il a invité Esaü à la place de Jacob. Mais Jacob ne s'est pas laissé faire. Il a tout fait avec sa maman jusqu'à aller plus loin, prendre les habits de son grand frère. Je vais vous parler des habits, les vêtements. Les vêtements qui sont symboles de quoi? Et pourquoi il devait porter les vêtements de son frère? Vous savez pourquoi la maman lui avait donné les vêtements de son frère? C'était pour avoir l'odeur de son frère. Parce que quand vous mettez vos vêtements là, et vous avez même, vous mettez même un parfum, on peut vous reconnaître la nuit. Même à partir dans le cadre seulement, qu'on sente l'odeur de tes vêtements. On peut reconnaître que ça c'est le vêtement de tel. Si on lui avait mis les vêtements de Saül, c'était seulement pour récupérer l'odeur. Parce que son papa ne voyait pas. Et je vais vous dire une chose. Même s'il fallait qu'il mette les vêtements, lisez la Bible. La Bible dit que la maman a choisi le meilleur vêtement qui était dans la garde-robe. Pourquoi le meilleur vêtement? Parce que papa ne voit même pas. Ça va le servir à quoi? Pourquoi il devait mettre le meilleur vêtement? Vêtement qui veut dire quoi? Qui veut dire comportement? Qui veut dire les œuvres? Ça représente les œuvres. Puisque dans les vêtements, il y a le parfum, la réputation. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Je peux avancer? Amen. Je peux
d'avancer. Amen. Et je vais vous ajouter un élément. Vous savez, quand même il avait mis les vêtements de Saül, quand même il avait la peau au cou et sur les bras, Isaac n'était pas aussi malade comme peut-être tu peux le penser. Quand il est entré, il a dit bonjour papa. Papa a dit, toi c'est qui? Oh, je suis ton fils Esaü, fils aîné. Il a dit non. Viens un peu. Approche-toi de moi. Il a touché. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. La voix, c'est la voix de... Mais le corps, c'est le corps de Esaü. Parce que j'ai senti l'odeur de Esaü. Mais la voix, mon fils, c'est la voix. C'est que quelque part, il doutait déjà. C'est que quelque part il savait que ce n'est pas Esaü. J'aimerais dire aussi quelque chose là-bas. La voix, c'est la voix de qui? Et le vêtement? Pardon? Vous savez, aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui ont les vêtements d'une autre personne et la voix d'une autre personne. Nous avons les prédicateurs. Il prêche autre chose, mais il fait autre chose. La voix d'une autre personne, mais là, le comportement. Tu chantes autre chose, mais tu vis autre chose. Dis un peu à ton frère, dis un peu à ton voisin là. Tu as la voix de qui et tu as les vêtements de qui? Tu as la voix de qui et tu as les vêtements de qui? Hein? La voix, c'est la voix d'une autre. Le langage chrétien, mais le comportement, le langage des chrétiens, mais le comportement, tu parles comme chrétien, mais tu vis comment? C'est vrai, papa avait constaté ça, il avait constaté cette confusion là, et surtout qu'il s'agissait de la bénédiction. Il a dit, mon fils, j'ai une confusion. La voix, c'est une autre personne. Le corps, une autre personne. Mais, amène seulement la bouffe. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Dieu est capable d'aveugler, même s'il faut aveugler les gens, pour que toi tu sois béni. Amen. Il faut marcher dans le plan de Dieu. Amen. Il faut combattre pour ta vie. Esther a dit, s'il vous plaît, Esther a dit, malgré la loi, allez jeûner 3 jours, 3 nuits pour moi, et après quoi je vais entrer. Et vous savez quoi? Quand même Esther est entrée, il a vu le roi. Vous savez qu'il a failli aussi quelque chose. Pourquoi? Quand il a invité le roi, la première fois Esther est entrée, le roi dit à Esther, Esther, qu'est-ce que tu as? Parce que jamais toi tu es entrée comme ça dans ma parcelle. C'est que tu dois avoir un problème. Et ça dit, oui, certainement j'ai un problème. Quel problème? Oh non, je ne vais pas te le dire aujourd'hui. Je t'invite seulement. Viens manger chez moi. Suivez bien. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Le roi est allé avec Aman. Ils ont mangé. Et à la fin, le roi demandera à Esther. Maintenant, dis-moi quel est le problème. Oh non, je ne peux pas te le dire aujourd'hui. Rentre, viens encore pour la deuxième fois manger. Le roi est venu encore pour la deuxième fois. Il a encore mangé. C'est à la fin qu'Esther va dire au roi, ah, mon mari, tu sais que vraiment tu m'étonnes. Comment tu peux vouloir la mort de ta femme? Il dit, comment? Quelle femme? Toi? Si moi je peux comploter vraiment pour ta mort. Il dit, oui. Tu es du nombre, au nombre de ceux qui veulent ma mort. Comment ça? Mais tu as signé qu'on puisse massacrer le juif. Tu ne sais pas que moi je suis juif. Esther, depuis quand tu y es? C'est que le roi vivait avec cette femme. Cette femme qui était étrangère, mais qui s'était fait passer pour une babylonienne. Et le roi, et vous savez, déjà là c'est une infraction. Du fait que seulement qu'elle a dévoilé qu'elle était juive. Et les juifs à Babylone étaient des esclaves. Une esclave ne pouvait pas épouser le roi. Déjà là, ça allait être une infraction qui pouvait lui coûter la vie. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Le roi avait mangé 2 fois. La nourriture aveugle. C'est pourquoi il a commencé par nourrir le roi. Vous savez, Isaac s'est dit, la
bouffe. Quand il a mangé la bouffe, il a trouvé que c'était du gibier. Et pourtant, ce n'était pas du gibier. Mais la femme qui avait préparé, il s'est dit, moi, je sais que c'est Esaü qui a l'habitude de préparer comme ça. Alors, si ça doit être Jacob, comment il a su que moi, j'ai besoin de la nourriture? Et comment il a su que moi, j'aime un tel repas? Non, c'est que c'est lui. Il s'est fait avoir par la bouffe. Ça veut dire quoi? L'offrande peut aveugler Dieu. L'offrande peut affaiblir Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui on est sauvé, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais le monde est sauvé à travers une offrande. La Bible dit, a tant aimé le monde, il a donné son fils. Christ est mort à la croix. Et à partir du sacrifice de la croix, le sang qui a coulé, aujourd'hui Dieu peut fermer les yeux. Nous qui sommes des oliviers sauvages, qui n'avons pas droit à la vie, mais quand Dieu regarde le sang qui coule, il nous prend pour des saints, malgré nos péchés, malgré nos origines. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Dieu nous a aimés, moi et toi, avant même qu'on soit chrétien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on a fait le bien. Non, le bien nous l'avons appris à l'église. Mais Dieu nous a tendu la main pendant qu'on était encore dans les balles. Il nous a choisi, viens me servir. Cette fois-là, on était encore dans le péché. C'est qu'on n'avait encore rien fait. Si aujourd'hui on pratique le bien, c'est après d'abord l'appel de Dieu, oui ou non. Et l'appel de Dieu et nos œuvres, qu'est-ce qui vient avant? Ce qui vient avant, c'est l'amour de Dieu. C'est que Dieu nous a aimés avant toutes choses. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse nous aimer malgré toutes les faiblesses? C'est l'offrande de la croix. C'est pourquoi tu ne peux pas aller loin avec Dieu sans offrande. L'église doit être enseignée sur les sacrifices. Si Jacob a reçu à cause du sacrifice, si Esther a reçu, c'est vrai, Esther avait jeûné, Esther avait prié, mais elle a ajouté quoi? La bouffe, deux fois. Et il a posé son problème pendant que le roi est en train de manger. Le roi table. Il pose son problème. Et le roi était troublé. Et je vais vous ajouter quelque chose. Parce que je suis en train déjà de préparer comment conclure sur ce message malgré la loi. Le roi, quand il a entendu le problème, Esther croyait peut-être que le roi allait dire, ok, donnez-moi le stylo, je vais annuler la loi. Le roi dira à Esther, les lois des Perses et des Médès sont immuables. C'est-à-dire quoi? Une fois signé, on ne peut pas révoquer. C'est que la chose doit rester comme telle. À la date-là, le massacre doit avoir lieu. On doit massacrer le juif. Je ne sais pas faire le contraire. Mais ce que je peux faire pour toi, Esther, ma femme, selon ta demande, qu'est-ce que je peux faire? Je vais écrire une deuxième loi qui va à l'encontre de la première. Et la deuxième loi sera comment? Je veux vous autoriser, vous le juif, à la date, là, arrivée à cette date de massacre, ne soyez pas dispersés. Regroupez-vous et armez-vous. Quand vous verrez les Babyloniens venir pour vous massacrer, vous aussi à votre tour, défendez-vous. Ça veut dire quoi? Puisque nous prions, puisque nous gênons, Dieu ne va pas annuler les lois de nos familles. C'est impossible. Dieu ne va pas enlever la sorcellerie dans ta famille. Que personne ne te trompe. Puisque tu es à l'église, puisque tu as passé deux fois la délivrance, Dieu va enlever le célibat dans la famille. Non! Ces histoires-là sont immuables, ça va rester comme ça. Le célibat va continuer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire chez nous? Dieu va nous donner ce que moi j'ai toujours appelé la légitime défense. Nous serons maintenant capables de nous défendre. C'est pourquoi il dira à Esther, va dire à tous les juifs de se rassembler, de se mettre en groupe, d'être ensemble. Ça veut dire quoi? Quand on se met ensemble, déjà on forme l'église. On forme l'église. Tu ne peux pas te défendre seul. Il faut appartenir à un groupe. Esther, qu'à cette date, qu'il n'y ait pas de juifs dispersés. Qu'il y ait ce cri qui puisse se regrouper. Pourquoi toi tu vis au Canada dans l'ordre dispersé? Tu appartiens à quel groupe? Comment tu vas te défendre? On ne peut pas se défendre seul. Il faut combattre comme église et non comme individu.
comme ça? Est-ce que toi tu as bâti à quelle église? Bien, tu es venu seulement pour le séminaire. Toi, tu n'as pas besoin de l'église. L'église, c'est ton cœur. Comment tu vas te défendre contre les lois de ta famille? Si on a veillé ta grande sœur, c'est parce qu'elle était sans église. Elle combattait seule. Moi, on ne mourra pas. On ne mourra jamais. Parce que quand ils viendront, ils ne vont pas trouver François. Ils vont trouver église. Je veux vous dire quelque chose. Pierre n'était pas chrétien. Pierre n'avait pas la vie de prière. Pierre n'avait pas la sanctification. Mais la Bible dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 5e verset. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ça veut dire quoi? Avant que l'église prie, je crois que lui-même, apôtre, avait prié. Ça n'a pas marché. Sa femme a prié. Ça n'a pas marché. Les enfants ont prié pour leur papa. Ça n'a pas marché. Mais quand l'église a prié, Pierre était sauvé. Et je vais vous dire une chose. Si Jacques était mort, c'est parce que l'église n'avait pas compris son rôle. Jacques a combattu comme individu. Étienne aussi, il a combattu comme individu. Mais quand l'église s'est réunie dans une maison quelque part, ils ont prié pour Pierre. Dieu est descendu. Mais je me suis demandé, c'est un Dieu-là qui descend seulement pour Pierre. Où il était quand on a tué Jacques? Dieu était dit injuste. Il cherche à ce que l'église comprenne son devoir. Si tu ne comprends pas, tu vas mourir. On a besoin de l'église. Même si vous allez dans quel pays, cherche à appartenir à un groupe de gens. Amen. Cherche qu'il y ait aussi des gens quelque part. Qu'il y ait quand même une église quelque part. Là où tu envoies même ta dîme. Là où tu envoies ton offrande. Chaque fois qu'on lève les mains, on dit au Seigneur, souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos membres dispersés dans le monde. À ce moment-là, les anges descendent et tu as la protection. Donc je vais vous dire une chose, c'est vrai, nous prions, mais il arrive des fois, même nous les pasteurs, tu peux finir un travail comme ça, tu y es cassé. Tu arrives à la maison, tu n'as pas la force de prier. Et tu t'endors comme ça. C'est à ce moment-là, si le diable vient, il va vous avoir. Mais pourquoi des fois on est sauvé? Du moment où moi je suis fatigué, il y a une intercession quelque part. Il y a des gens qui prient, Seigneur, garde notre pasteur. Et à ce moment-là, je bénéficie automatiquement de la prière des intercesseurs. Amen. Tu as aussi besoin de ça. Que lorsqu'on prie quelque part, Seigneur, garde tous nos membres. Même ceux qui sont en voyage. Quand on dit même ceux qui sont en voyage, peut-être toi tu es dans l'avion sur l'océan. En train de traverser une zone de turbulence. Et de l'autre côté, on dit, garde ceux qui sont en voyage. Automatiquement, Dieu va dépêcher un ange. Voilà l'importance d'appartenir à une église. C'est pourquoi dans ma vie, je me lève à l'église. Je vous dis, pasteur, je suis votre ami à cause de l'église. Les jours où il n'y aura pas ça, je ne viendrai pas. Amen. C'est pourquoi nos amitiés ne peuvent pas dépasser l'église. Amen. Quand tu respectes l'église, lorsqu'il y a l'église, on a mis. Quand il n'y a pas l'église, c'est fini. Je viendrai faire quoi? J'ai quitté ma famille. Mais comment je vais vraiment m'attacher à quelqu'un plus que ma famille? Si j'ai quitté ma famille, c'est parce qu'il n'y a pas l'église. J'ai aimé un étranger. Ce n'est pas parce qu'il dépasse ma famille, mais c'est à cause de l'église. Amen. On se retrouve à l'église, on est plus familier, plus que même les membres dans la chair. Est-ce que quelqu'un peut appartenir à l'église? C'est pourquoi, si Jacob avait choisi Rachel, il a rencontré Rachel où c'est? Au bidon. Il a trouvé que Rachel avait des troupeaux derrière lui. Et la Bible confirme que
Dieu, un païen. Vraiment. Mieux vaut aimer un chrétien pauvre, quelqu'un qui a Dieu. Qu'un païen. Nos femmes nous avaient choisi. À l'époque, on avait quoi? Mais on avait que la Bible. Mais voilà ce que la Bible a produit aujourd'hui. Mais ceux qui avaient l'argent à l'époque, sans Dieu, où sont-ils aujourd'hui? Je vais encore préférer donner ma fille à quelqu'un qui a Dieu, qui a de l'avenir, mais qui n'a rien, que de donner la fille à quelqu'un qui a des milliards, mais qui n'a pas Dieu. Les milliards peuvent partir, mais Dieu demeure. C'est pourquoi les revenus, on doit chercher que comme on cherche de l'argent, on doit chercher que comme on cherche sa propre vie. Pourquoi tu veux aller loin de l'église? Pourquoi tu veux vivre loin de l'église? Pourquoi on veut te séparer de l'église? Quel est cet ami là? Quel est ce fiancé là? Il te dit ou bien moi ou bien l'église. Là, n'hésite même pas. Dis-lui déjà, sors de ma maison. Mariage, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu des femmes qui se sont mariées? Après 4 ans, ils ont divorcé. Toi, tu crois que l'amour qu'il va te montrer aujourd'hui sera éternel? Jamais. J'aimerais encore accepter celui qui a Dieu. J'aimerais encore choisir l'église que de choisir le mariage. L'église. J'aime mieux te la donner, Jacob, parce que je vois en toi de l'avenir, que de donner à n'importe qui. C'est comme ça que, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est temps, je n'ai pas arrêté. Pardon? Comment non? Vous m'ajoutez encore combien de minutes? S'il vous plaît, la Bible dit Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Et les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait la femme. Quand on aime quelque chose, on peut dépenser n'importe combien tout en fermant les yeux parce que tu aimes la chose. Quand on aime un véhicule, on va dépenser quel que soit le montant. Quand on aime une maison, on aime un quartier, vous allez dépenser, même si ça coûte plus cher que l'autre quartier, mais parce que j'aime ce quartier. Quand on aime Dieu, on va dépenser beaucoup pour lui. Si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas dépenser pour Dieu, il n'aime pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu dans cette église? Cela fut à ses yeux comme quelques jours. Et pourtant, c'était 7 ans. Puisqu'il aimait la fille. Et après 7 ans, Jacob va dire à Laban, donne-moi ma femme. Si vous suivez cette expression-là, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. En quelque sorte, ça veut dire quoi? C'est qu'il constatait déjà un refroidissement. Il constatait déjà quelque chose de louche. On s'était convenu pour 7 ans. Les 7 ans sont accomplis. Donne-moi la femme. Laban commençait à faire ça. Laban commençait à faire des manœuvres. Mais d'où venaient ces manœuvres? Cela était dit à quoi? Laban aussi était buté à un problème. Il y avait une loi dans le pays. La cadette ne pouvait pas se marier avant l'aîné. Quand Laban avait accepté que Jacob puisse vivre avec Rachel pendant 7 ans, dans sa tête, il se disait, peut-être avant que les 7 années soient écoulées, Léa peut trouver aussi un mari. C'était comme ça. Mais les 7 années se sont passées, Léa n'avait même pas de proposé. Et surtout qu'il avait des yeux délicats. Ça veut dans la vie, prie aussi pour être, avoir de la beauté. Tu veux seulement tourmenter les gens, je ne me marie pas, mais tu n'as pas de la beauté, mais nous on va faire quoi? Oh non, ça c'est quoi ça? Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un? Vous savez, il y a des fois, bon, ça c'est entre nous, hein. Une fois, j'ai reçu une fille dans mon bureau, papa, je ne comprends pas. Moi, vraiment, depuis que je suis dans cette église, papa, même ma route, il n'y a personne qui me dérange. Quand j'ai regardé la fille, j'ai dit, toi aussi, qui va te déranger, toi aussi.
Mais comme étant pasteur, il n'y a pas d'assistant. Tu vas partager avec qui? Des fois, c'est seulement dans le cœur là. Ah, déjà, en tout cas, toi, je ne sais pas que Dieu seulement fasse grâce. Bon, comme on est passé, je lui dis, mets-toi à genoux. Je commence à faire la prière au Seigneur. Avec le même homme quelque part. Est-ce que tu ne peux pas avec quelqu'un pour qu'il vienne me prendre cette fille? Vous savez quoi? Si Léa a eu le mariage, c'était parce que c'était pendant la nuit. Papa, mais c'est ça la Bible, non? Si Jacob acceptait Léa, c'était à quel moment? La nuit. Si c'était les jours, Jacob pouvait sauter avec Léa. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux jeunes filles, à part les spirituels, quand un homme vient, il faut aussi le considérer. Si cet homme avec sa beauté, la taille, tout, si on fait le mixage avec moi, ça peut donner quel produit? Il ne faut pas seulement accepter un homme pour accepter. Il faut regarder votre peau, les yeux, le nez, et considérer aussi celui de l'homme. Maintenant, quand on fait le mélange, le produit sera comment? Le mariage, ce n'est pas l'esprit. Je répète, les deux deviendront une seule chair. Une jolie fille comme ça. Mais voilà l'homme qui nous amène. Comme un colonel de Kinshasa. Tu l'as trouvé où? Tu l'as rencontré où? Dans le métro? Je peux avancer? Si j'ai insulté quelqu'un? J'ai mal parlé? Ah, si je vous ai blessé, pardonne-moi monsieur, et j'ai dit c'est la vérité. Ah, si toi tu risques de dire non, 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 un homme de Dieu, comment il peut parler comme ça? Mais un homme de Dieu doit parler comment? Alléluia. Amen. 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 Donne-moi ma femme quand mon temps est accompli. Elle n'a pas commencé à faire des manœuvres. Pourquoi? Dans le pays, il y avait une loi. L'aîné ne pouvait pas, la cadette ne pouvait pas aller avec l'aîné. Et je vais vous dire quelque chose. Le tout n'est pas de se marier. Jacob, l'erreur aussi qu'il avait commis, c'était quoi? C'est d'aller s'engager dans une famille sans tenir compte des lois de cette famille. Jacob est sorti de sa famille béni par son père, avec les promesses de Dieu en lui. Mais il a eu des complications. En cours de route, il a eu à passer lui quelque part. Il a vu le ciel ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, ça veut dire quoi? Dieu est pour vous. C'est que Dieu était dans son voyage. Parce que dans cela, il n'y avait pas de barrière. Mais d'où est venue les complications? La famille dans laquelle il est allé s'engager. Ma soeur, tu t'es engagée dans quelle famille? Le mariage peut aussi faire échouer le ministère de quelqu'un. Un homme de Dieu, l'homme qui pouvait voir le ciel ouvert, l'homme que le papa avait béni, l'homme qui avait une prophétie depuis le ventre de sa mère, il va se retrouver, il sort même avec des esclaves. Ce qu'il n'avait jamais imaginé dans sa tête. Et tout cela, c'était une vie imposée. Il s'est retrouvé dans un désordre qu'il ne pouvait pas, dans lequel il ne pouvait pas sortir. Et cela venait d'où? La famille. Ce n'est pas la coutume en ces lieux. Voilà dans cette famille. C'est pourquoi faites attention avec les lois de la famille. Les lois existent dans ce monde. Ne crois pas parce que tu pries et que tu as aboli les lois. Attention, il y a des réalités qui, à un certain moment, ça va s'imposer dans la vie. Malgré les promesses, malgré la vie de prière, mon frère, tu vas te retrouver dépouillé. C'est pourquoi faites attention. Quand on prêche ces choses, Jacob n'était pas païen. Toi, tu vas me dire que tu as Dieu plus que Jacob. Mais il s'est retrouvé bloqué.
pouvez pas évoluer. Attention, il y a quelle loi dans votre famille? Il y a quelle loi là où tu es allé te marier? Vous savez, tu peux épouser un homme malgré tout ce que tu peux faire comme sacrifice, ma soeur, pour plaire à cet homme. Mais si dans sa famille on a dit que les hommes ne peuvent jamais rester avec une seule femme, il finira par te trahir. Parce que c'est la loi dans sa famille. Aujourd'hui, il y a des hommes infidèles. Tous ces hommes-là, ils sont infidèles envers leurs femmes. Allez-vous me dire que les femmes sont toujours de mauvais caractère? Ils sont en train d'accomplir les lois de leur famille. C'est pour ça qu'il y a aussi des femmes qui se prostituent. Malgré tout ce que l'homme peut faire pour lui, la loi de sa famille. Il y a quelle loi devant toi? Je voudrais que ce soir, que tu puisses prendre conscience. D'où es-tu sorti? C'est pourquoi Jacob va demander à ces gens-là, d'où êtes-vous sorti? Oui, il a seulement demandé, mais lui n'a pas cherché à comprendre. Mais déjà, le village, il avait un problème. Malgré qu'il a posé la question, mais il est entré se plonger là-dedans. Voilà les erreurs que les hommes commettent. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique malgré la loi? C'est qu'il y a des lois. Il y a des lois, il faut combattre. Ma sœur, il y a quoi? Ça va? Ça va? Ça évolue bien? Tu as compris quelque chose? Ce soir, tu peux sortir avec quelque chose? Les yeux fermés, on est tous debout. Cantique, s'il vous plaît. Délivre-moi Seigneur, je suis mon sauveur et mon roi, en toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi Seigneur, Jésus le sauveur de ma vie, en toi je mets mon espérance. Délivre-moi Seigneur, je suis mon sauveur, mon sauveur, en toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi Seigneur, Jésus le sauveur de ma vie, en toi je mets mon espérance. Moi, maï koloé, et koloé sous soumina ma papa. Quand on a mal dit koloé, Le premier devoir ce soir, le premier devoir, là où tu es, décide-toi. Si tu n'as pas encore une église à laquelle tu appartiens, dis à Dieu, donne-moi l'église. Si tu n'as pas un berger spirituellement qui veille sur ta vie, dis à Dieu, donne-moi un berger. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas prendre des chrétiens, mais il viendra prendre son église. Dieu a besoin que tu appartiens à une église. Depuis combien de temps tu es dans cette église, mais tu hésites toujours? Est-ce que tu ne peux pas adhérer? Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu de t'attacher, de te rattacher aussi? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, ta parole,
Oui, Dieu, parle à Dieu. Marc chapitre 1er verset 21, ce qui a lieu de nous le balancer rapidement au tableau. Marc 1:21, rapidement. Marc chapitre 1er verset 21. Ok, ça y est au tableau frère, allons-y. Ils se rendirent à Capernaum. Oui. Et le jour du sabbat. Oui. Jésus entra d'abord. Stop. On dit Jésus entra d'abord. Est-ce que vous pouvez m'enlever d'abord? Mettez quelque chose qui a le même sens que d'abord. Jésus entra en premier. Oui ou non? Hein? Jésus entra en? En premier. Ou premièrement? Avant tout, Jésus entra dans la synagogue. Il est arrivé à Capernaum. Mais avant tout, il est d'abord parti où c'est? À l'église. Ce que Dieu accorde plus l'importance à l'église qu'à nos familles. Amen. C'est pourquoi David dit, quelle joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du roi. À la maison de Seigneur. Si tu vois une personne qui veut vous faire sortir de l'église pour vous... Aujourd'hui à Kinshasa, on a des gens. Pasteur, il veut lui prendre les fidèles pour aller à la montagne. Mais papa, vous avez l'église. Toutes les promesses de Dieu sont faites à l'église. Toi, tu prends les gens qu'on aille prier à la montagne. Vous laissez l'église. Allez à prier à l'église. Mais vous vous sautez de pour aller à la montagne. Toi, tu veux trop de retraite. On ne te voit pas. Papa, j'avais un service à la maison de 7 jours. Mais ce service, tu ne peux pas venir le faire à l'église. Et quand on est en retraite, on ne peut pas venir à l'église. L'église. N'est-il pas écrit? Voici, oh, qu'il est doux. Qu'il est. On dit bien qu'il est. Quand on dit agréable, ça veut dire quoi? Bon. Pour les frères de demeurer ensemble. Quand on demeure ensemble, on forme quoi? Une assemblée. Car c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête.
sur la tête d'Aaron. Et qui était Aaron en Israël? Aaron était le souverain sacrificateur pour une assemblée. Ça veut dire la tête de l'assemblée. Ça veut dire le pasteur, le premier, le pasteur de l'église. La l'huile, la bénédiction quand elle descend, elle descend d'abord sur la tête avant d'atteindre les membres. Fait que tout membre qui veut recevoir l'huile précieuse, ce membre doit se rattacher au corps. Le corps qui a une tête. Mais tu es chrétien, tu n'appartiens pas à un corps. Sans tête, quand l'huile viendra, ton huile viendra d'où? C'est pourquoi il faut faire alliance avec l'église. Il faut faire alliance avec les hommes de Dieu qui ont Dieu. Un jour j'ai enseigné sur ces choses. Quand c'est passé internet, une maman m'appelle des États-Unis. Je crois que la maman sera à Toronto. Son ami lui dit, comment toi tu veux faire les alliances avec les hommes? Est-ce qu'on fait l'alliance avec Dieu bien avec les hommes? Oh, mais Dieu on ne les voit pas. Vous savez, Jonathan était déjà mort. Mais Mephibosheth a eu la vie sauve grâce à l'alliance que son père avait fait avec David. Quand je fais alliance avec un homme de Dieu, mais il y a des accords. L'alliance c'est pour ce qui est bon. S'il s'égare, automatiquement l'alliance tombe, puisqu'il y a des accords. Est-ce qu'on peut prier? Dis à Dieu, j'ai besoin d'être sauvé. Et j'ai besoin d'aller loin. J'ai besoin de vivre la gloire. Prions au nom de Jésus. N'échoue pas dans la vie chrétienne. Oh, n'échoue pas ma soeur, n'échoue pas mon frère. Ce soir, je veux ta gloire. Je ne veux pas échouer. Même si je suis dans cette sphère, je veux ta gloire. Soutiens ma voix, soutiens mon cœur, soutiens mes combats. Au nom de Jésus, je veux ta gloire à vous ce soir. Fais quelque chose pour pas que je puisse tomber, pour pas que je puisse abandonner. Dans ta famille, si vous êtes marié, même dans votre belle famille, si tu es, vous êtes élève ou étudiant, même à l'école, même à l'institut, vous savez, avant de venir ici, j'ai prié pour quelqu'un à l'église. Il est étudié quelque part dans une école, et dans cette école là chaque année
on doit sacrifier un enfant, celui qui est plus intelligent de l'école. Chaque année, il doit perdre quelqu'un. Et lui ne savait pas. C'est un professeur qui est venu lui dire, en tout cas, tu sais tellement que tu es intelligent, j'ai eu pitié de toi. Dans cette école, voilà ce qui se passe. Et nous étions en réunion avec le préfet, tout le monde. On a décidé de te sacrifier. Si tu peux aller voir ton pasteur, qu'il prie pour toi. Pendant que l'enfant est venu me voir, sa maman aussi, pendant que l'enfant était encore à l'école, il n'avait même pas encore amené la nouvelle. Un voisin aussi viendra dire à sa maman, j'ai rêvé que ton fils était mort. Et l'enfant est venu me voir, papa, on veut me sacrifier. C'est que même dans les écoles, il y a des alliances, il y a des accords, il y a des lois établies. Tu ne peux pas envoyer ton enfant pour qu'on aille le sacrifier à l'école. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Même les lois des écoles là où les enfants vont étudier, nous devons les affronter. Amen. Est-ce que tu peux prier? Même au travail, vous savez, il y a des sociétés où on sacrifie les travailleurs. Il y a des équipes, les équipes où on sacrifie les joueurs. Ça, vous ne savez pas. On fait des sacrifices pour avoir le succès. Pourquoi tu veux perdre ta vie? Pourquoi tu ne veux pas chercher Dieu? Tu veux mourir jeune, pourquoi? Tu veux perdre ton enfant, pourquoi? Fais! Moi, je ne vais jamais perdre. Jamais. S'il y a une loi qui s'élève quelque part, que le feu de Dieu descende du ciel, amen, que le feu consume ma vie, au nom de Jésus, puisse briser le pétain, que le feu de Dieu puisse ravager, que le feu de Dieu puisse saccager, que le feu de Dieu puisse ramasser, que le feu de Dieu puisse détruire. Il n'y a plus moyen que je puisse révoquer la loi. Elle est déjà signée, elle est signée. Mais sauf que je vous donne mandat, vous avez aussi à vous défendre. Amen. Quand ça vient, défendez-vous. Amen. C'est comme ça que Paul aussi dira au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. La légitime défense. Quand ça vient, quand on vous attaque, Dieu a dit, défends-toi. Amen. Dieu ne va pas supprimer la société dans le monde, c'est impossible. Dieu ne va pas supprimer la magie dans les écoles, non. Nous envoyons nos enfants dans les écoles, mais il faut toujours les défendre. Seigneur, c'est là où j'envoie mes enfants.
S'il y a des accords, s'il y a des alliances dans ces écoles-là, qu'on doit sacrifier les enfants, pas les miens. Que le feu de Dieu descende, détruise tout envoûtement de l'école sur mes enfants. Même dans les quartiers où nous habitons, s'il y a des envoûtements dans les quartiers, nous on est Israël. Israël en Égypte, dans leur quartier là où on appelait Goshen, s'il y a des ténèbres partout, là où se trouvait Israël, il y avait la lumière. C'est ce Dieu-là que je prêche, et c'est ce Dieu-là que tu pries. Que ton enfant marche avec la lumière de Dieu, partout il est. Même dans un véhicule, on veut que le véhicule puisse cogner. Tant que mon enfant sera dans cet autobus, il n'y aura pas d'accident. Jusqu'à ce qu'il descende. Amen. Dieu est capable de faire ça. Amen. Je voudrais que tu pries. Tu veux mourir pourquoi? Tu veux perdre ton enfant pourquoi? Tu veux perdre ta vie pourquoi? On veut te détruire ma soeur pourquoi? Pourquoi le monde veut te rendre infirme? Pourquoi? N'accepte pas de perdre une jambe, même pas un œil, même pas un bras. Dieu doit te garder entier jusqu'à la fin de ta vie. Défends-toi tous les mauvais sorts qu'on te lance, tous les envoûtements, que le feu de Dieu les consume. Puisse te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. La victoire sur ton combat. Amen. Tu te maries, c'est pour que tu mettes au monde. Amen. Et des enfants normaux, pas des enfants avec malformation, pas des enfants malades. Un enfant qui n'évolue pas, il devient comme toute une charge à la maison,
Maintenant, pour se déplacer, il faut trouver quelqu'un qui doit toujours garder cet enfant. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Chez toi, cela n'entrera pas. Amen. Ce sont des envoûtements, des malédictions. Que cela sorte de ta vie. Amen. C'est quoi ça? Il ne faut pas accepter ça. Vous êtes enceinte, vous allez à l'hôpital. Le médecin dit, oh non, je vois comme si l'enfant aura une malformation. Il faut lui dire, ça, ça n'engage que toi. Le mien n'aura pas une malformation. Toi, tu es né, tu avais une malformation. Mais d'où vient que tu puisses faire un enfant avec une malformation? Ça, c'est la sorcellerie. Vous savez, il y a des médecins occultistes. Hein? Il a déjà eu à communiquer depuis ta famille avec les sorciers de ta famille. Et il te communique une nouvelle pour t'affaiblir. Il faut toujours dire non. Malgré la loi, nous allons réussir. Amen. Ne joue jamais dans la vie. Amen. Dis à Dieu, j'ai besoin de la victoire sur tout ce que j'ai comme combat. Seigneur, que je réussisse. Que je monte. Que toutes mes voies puissent s'ouvrir. Que tout ce que toi tu as prévu pour moi, je puisse le posséder. Est-ce que tu peux déclarer comme ça? Prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh papa, je viens pour la victoire. J'ai besoin de la victoire. Yahweh, je viens proclamer la victoire. Yahweh, je viens proclamer la victoire. Que je l'établisse. Yahweh, la victoire. Que je réussisse. Yahweh, la victoire. Yahweh, je viens proclamer la victoire. Yahweh, je viens proclamer la victoire. Yahweh, la victoire. Yahweh, accorde-moi la victoire. Yahweh, c'est vrai, ta vie a déclaré. Que je ne crois pas pour la victoire, mais dans la victoire. Yahweh, c'est oui. Yahweh, c'est toi. Yahweh, ton au nom de Jésus, la victoire. Déclaré Yahweh dans Jésus, je refuse les malédictions, je refuse tout héritage mondain. Yahweh, je connais la victoire, je porte ma vie sans effet. Au nom de Jésus, je refuse toute malformation, je refuse l'héritage éternel. Au nom de Jésus, plus de limitation, plus de limitation, plus de maladie, plus de vie, plus de douleur. Je refuse Dieu, vous allez mettre à ce moment-là, dire que Jésus est bon. Amen. Hein?